Et salut tout le monde, c'est Oconnet, bienvenue dans League of Legends. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, le jour où Neko devrait sortir. On est en stream actuellement et ça va être du full Neko. Ah oui, alors, putain. Moi je dis Neko, je vais essayer de dire Nico, mais ça me fait trop penser à Nicolas, je trouve ça très bizarre. Donc Neko va sortir normalement aujourd'hui. Du coup, si elle est sortie aujourd'hui en stream, on va faire que ça, que ça, que ça, que ça. Et on va l'entraîner, on va s'entraîner de ouf avec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On va jouer un type de champion que j'appelle, si personne ne flame, on gagne la game. Et oui, parce que c'est ce genre de champion qui vont être très très forts en late game. Du coup, à la fin de la partie, quand la game va durer très longtemps. Aujourd'hui, nous allons jouer Veigar. J'en ai déjà fait une vidéo en support, mais là, j'avais toujours pas fait à la mid lane. Et vous allez voir que ce champion, c'est une tuerie. Ah, wait. C'est Juani mid, Vayne top. Bah écoute, c'est la pré-saison. Bienvenue en pré-saison, les gars. J'espère que vous aimez. Je vais évidemment jouer Veigar augmente glacial avec la rune glacial augmente, excuse. Parce que c'est juste trop agréable à jouer comme ça. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. On s'amuse comme des fous. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on fait attention, évidemment, la Camille que j'ai failli oublier. On fait très, très, très attention. Hop, on farme tranquillement. Ok, moi, je stack tranquillement. J'ai utilisé pas mal de mana, mais je joue avec les biscuits, du coup. C'est pas très, très grave. Ok. Ah, faut pas rager. Faut pas rager, les gars. Faut pas rager. Si on flame, si ça commence à flame ou rager, on a perdu la game. Aïe aïe, Rengar, un move. Un move et c'est bon, c'est fini, on l'a perdu. Et hop là, on est pas mal, on est pas mal. J'ai plus de mana du tout, oula. Ah la Camille hein. Top 7 des champions les plus pétés du jeu. Je sais pas si je vais, ouais, je vais peut-être pouvoir l'aider. Je suis là au cas où. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, nice. Tu devrais live, hein, non? Ok, bien joué. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je vais push le mid, elle va perdre... Je veux le canon, hein. Oh, putain. Eh, les gars, on peut pas chase pendant 10 ans, les gars. Ok, 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 d'accord. Lui, ça va être un gros rageux de ouf. Ça va être compliqué de le maintenir. Aïe 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 aïe. Bon, je sais pas trop quoi faire pour le Rengar. Là, je mute ces pings de mort là. Donc on va prendre le GLP, on va commencer par le GLP. Je vais prendre 2 tomes de mana. On est ok. On va essayer de le calmer. Je lui dis de respirer, ça lui fera peut-être du bien. Si tu flammes trop, on est dans la merde. Moi je m'en bats les couilles, je suis là plus pour le calmer. Je veux juste pas qu'il tilte les autres alliés. Si c'est sur moi, je m'en bats les couilles. M'en bats les couilles, bro. C'est ultra chill à jouer. Je sais pas si vous trouvez Veigar chill à jouer, mais c'est juste trop bien. Et tu sais qu'à la fin de la game, tu vas les éclater. Et ça c'est trop bien. Par contre, je vais juste back, du coup, malheureusement. Donc la botlane est en 0-2. Mon jungler qui est fed, malheureusement, bah, il est toxique. Le Darius se fait camp. Et moi, bah, je suis en train de farmer tranquillement. Je vous le dis tout de suite. Allez, j'hésite pas, je fais mon ultime. J'ai pas trop regardé s'il avait des shields ou des trucs comme ça. Voilà, on a le dragon. On colle le dragon parce que Camille était top. Il faut au moins trade quelque chose parce que là, la tour a pris très cher. Hop. J'ai eu mon petit premier kill complètement gratuit. Ça fait plaisir. Moi, de toute façon, on pourra difficilement me tuer. À moins que je m'avance vraiment trop. Normalement, je suis très compliqué à tuer. Vraiment très chiant à tuer. Là, je pense qu'elle va galérer. Ok, j'ai plus de mana, je peux pas vraiment l'aider. Mon stun était beau, mais bon, voilà, j'ai plus de... Tout simplement, plus de mana. Dans une minute, j'ai mon prochain cookie, mais je vais quand même back. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Pourquoi jouer Veigar Glacial Augmente, en fait? Alors, Glacial Augmente avec... C'est vrai que je vous en ai même pas parlé. On joue Glacial Augmente avec Ingenious Hunter. Ce qui va, en fait, nous permettre de réduire le cooldown des objets activables. Donc, Hextech GLP... Ombre jumelle, Zonia, Protobelle, tous ces genres de trucs vont avoir un cooldown réduit. Et de plus, si tu joues optimisation glaciale, et en fait ce qui va se passer, c'est que quand tu vas toucher ces sorts là, ça va ralentir plus la personne. Regardez, j'essaie de vous le montrer, hop. Ah bah là je l'ai pas touché, c'est magnifique. Ah, je pense que ça va sur moi. Non, même pas. Ok.
Enfin bref, vous allez voir plus tard, ça va être stylé. Bon, le Rengar qui insulte toujours, je vais peut-être commencer à les mute, parce qu'ils prennent beaucoup de place dans le chat en fait. Je vais mute les deux là, j'espère qu'ils vont pas trop se frite, parce qu'ils parlent vraiment beaucoup en fait. Normalement je mute pas, mais là quand ils parlent trop c'est chiant. Ok, donc mon W est fini. Mais attends, mais ils sont encore... Il est encore en train de se faire camp là-haut. Ah non, c'est ok, d'accord, il se fait juste détruire ici, très bien. J'aurais juste voulu vous montrer. Voilà, là c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Donc là vous avez vu le rayon laser, le rayon de givre. Bah c'est ultra stylé ça. Ok, on enlève ça. Ok, je flash in, je mets stacks. De toute façon, moi j'utilise pas vraiment mon flash parce que on me gank jamais, du coup vas-y, let's go, je l'ai fait. Toxic Rengar, ah pff, bon, je vais les démute vite fait. Il faudrait vraiment qu'ils mutent le Rengar s'ils arrivent pas à le supporter. Bon, de toute façon, plus j'avance dans la game, mieux c'est. Là, c'est Juni qui va avoir beaucoup, beaucoup de résistance magique. Du coup, on va commencer à prendre ça. On est bon, on est bon. Encore une fois, le début, on s'en bat un peu les couilles. Juste survivez. Si le mid en face, il fait juste du roaming et ton équipe pète un câble, tu leur dis « T'inquiète, on a le late game en fait. » Parce que Veigar, après 30 minutes de jeu, il peut atteindre les plus de 1000 AP en fait. Et ça va scale, ça va scale, ça va scale. Tu vas avoir plus d'AP, plus d'AP, plus d'AP. Et tu vas finir par tous les tuer très facilement. Problème ici. Ça me va. J'ai extrêmement mal joué, mais ça me va. Par contre, j'ai plus mon pouce bleu. Ma touche ne marche plus. C'est pas grave. GG, âme. Ah, bah voilà. J'ai cru qu'il me disait GG pour avoir tué Vayne. Normalement, ces gens-là reviennent assez rapidement. Tu vois, ils sont juste tiltés. Normalement, ils reviennent assez rapidement. Ah, ce serait dommage. Ce serait dommage. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas trop... Bon, j'aime beaucoup jouer Veigar à Anivia. Le problème, c'est que si t'as des joueurs comme ça, bah, je peux pas vraiment les aider dans les débuts, en fait. Même si là, genre, on les a aidés, c'est vraiment le mec qui s'est auto-tilt. Bah non, Rengar. Et en fait, je savais même pas quoi lui dire, en fait. Je savais même pas quoi lui dire pour le calmer. C'est compliqué. On le connaît bien, on les connaît ces joueurs-là. Hein. On les connaît ces joueurs-là. Je suis chiant. Hein. Je suis chiant. Hein. j'aime trop ça. On les connaît ces joueurs-là. Si vous connaissez pas trop League of Legends, pour nous, les joueurs de League of Legends, on les connaît, les petits filous-là. Oh, ça par contre. Oh, elle avait flash, merde. Oups, je me suis un petit peu trop avancé. Hein. Ouf. Je sais pas où est Camille, j'ai un peu peur. Ouais, je sens que Camille est pas loin. Là. Ouais. Sinon, là, c'est Johnny. Aurait pas joué comme ça. Je suis à 4 sur 5 quand même, c'est vraiment pas mal. Ah, ça flash beaucoup. Ça flash beaucoup de ce côté. Allez, ça dégage. Dommage. Ah, ils sont partout. Ils sont partout, malheureusement. J'essaie de défendre, mais ils sont partout. Ok, j'ai les ombres jumelles, ça c'est trop bien. Vous allez voir, les ombres jumelles, c'est vraiment stylé de ouf à jouer. Mais là, le chat, bah, c'est du League of Legends. Hein. C'est du League of Legends. Tes games, c'est du pile ou face. Si ton équipe est pas toxique, tu peux jouer la game si t'as un mec toxique. En fait, là, le Rengar, il a solo lose la game. Même s'il joue bien, il a solo lose la game avec sa toxicité, en fait. Parce que il a fait en sorte que... je crois, bah, y en a deux qui se sont frités avec le Rengar et ils ont dit mais juste TG en fait. Et ils ont plus voulu jouer en fait. Bah, c'est normal. Il y a un mec qui t'insulte dans ta game, forcément t'as moins envie de jouer parce que tu vas gagner pour lui. C'est pas peut-être pas ce que tu veux quoi. Ok, non, je pensais qu'il y aurait des engages, mais en effet il n'y avait pas de vision. C'était un peu compliqué. Bon,
le Rengar, je pense qu'il est tilt. Je sais pas s'il va int. S'il continue de jouer, moi je m'en bats les couilles. C'est juste que s'il commence à int, c'est peut-être moins marrant pour les autres. Allez, ça, ça dégage. On KS ça, parce que c'est rigolo. Bah GG les gars. Et en fait malheureusement, bah c'est comme dans tous les jeux. Hein. C'est comme dans tous les jeux, le problème c'est que bah... comme dans tous les jeux d'équipe, je veux dire, t'as un mec comme ça qui tilte très vite. C'est pas la faute du jeu, bah je veux dire... c'est les personnes, hein. C'est, le jeu est comme ça, du coup c'est vrai qu'il y a des trucs qui font tilt. Malheureusement, bah il a pas encore le mental. Il a pas encore le mental et... ça viendra peut-être un jour. J'active les fantômes, peut-être que ça pourra aider. Moi, je vais peut-être pouvoir aller tuer le band. Ça me donne des petites stacks. C'est pas ouf. Non, c'est le top. Bah, le top, il était en 1v2. Hein. C'était compliqué pour lui. Allez, on réfléchit pas. On ult. C'est une minute de cooldown. On s'en fout un petit peu. On est bien. Là, vraiment, si ils arrêtent vraiment de parler ou quoi que ce soit, on peut encore gagner la game. Sinon, là, malheureusement, ça va être compliqué. Mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, par contre. S'ils commencent à jouer, c'est bon. Mon Nocturne, faut pas qu'il défende tout seul, c'est compliqué. Hein. On dit de mort, de toute façon. Ok. Pas très grave. Allez, on réfléchit pas, on ult, on le ralentit, on réfléchit pas, on prend les kills, on enchaîne. Merde, j'ai complètement raté mon truc. Merde, j'ai mal joué. Aïe. Il voulait regarder un petit truc dans les buissons. Moi, j'ai raté mon W, malheureusement. Ce jeu est tellement toxique. Aïe. Ah oui, je vous le dis tout de suite en passant. Pour ceux, parce que sur YouTube, vous savez pas encore. Il y a Smash Ultimate. Il y a Super Smash Bros. Ultimate qui va sortir. Il y aura peut-être des vidéos sur Smash. Parce que, en fait, League of Legends, vous voyez la gueule que ça a. C'est juste tout seul. C'est très, très frustrant à jouer League of Legends. Et en NS, j'ai pas vraiment le genre et j'ai pas envie de duo queue en fait. Tu vois, la solo queue. En fait, j'aimerais une solo queue sans être toxique. Parce qu'en fait, j'aimerais qu'en fait, le jeu, on fasse une game et qu'on joue avec nos compétences et pas parler, faire chier les gens et insulter tout le monde. J'aurais aimé un jeu comme ça, je sais que c'est impossible. Je sais que League of Legends ne peut pas faire ça. Compliqué de faire un vocal, des trucs comme ça. Donc c'est normal, c'est le jeu. C'est. Faut faire avec. Le problème c'est que moi je peux pas jouer 100% à League of Legends avec une communauté comme ça. Et c'est une communauté qui est partout dans les jeux d'équipe. Hein. Genre c'est pas juste League of Legends les gars, faut se dire ça. Hein. Oh, merde. RIP. Ouais, j'aurais dû balancer les fantômes juste avant, je suis un petit peu con. Donc oui, il y aura peut-être des vidéos sur Super Smash Bros. Melee. Super Smash Bros. Melee, ça c'était le jeu que je jouais sur GameCube. Super Smash Bros. Ultimate qui va sortir le 7 décembre. Parce que bah jouer à LoL tout le temps, toujours le même jeu, en solo queue, avec des gens bah, qui sont parfois extrêmement toxiques comme le Rengar, qui a été FK, bah tu peux pas vraiment tryhard là. Tu vois, je voulais tryhard, je voulais jouer, je voulais m'amuser avec Vega. Je voulais que la game dure longtemps, et je sais que dans League of Legends c'est extrêmement dur de ça, parce que tu te dis, ça va flame, il y a forcément, t'as forcément un mec toxique dans la game que t'aimerais qu'il soit permaban. Bon, moi je suis content de vous avoir montré cette vidéo, parce que ça vous montre en fait que ça va être compliqué de faire tout le temps la même chose. C'est la défense. Pas du tout. Merde, j'ai oublié de faire le GG well played. On n'a pas assez de temps pour écrire. Bon les gens, c'était le Vegar mid. Si personne ne flame, tu gagnes la game, malheureusement. Parce que là, je pense que vous l'avez senti. Si Rengar n'était pas toxique, on aurait gagné 100% la game. Et ce genre de personne,
Malheureusement, on devrait les permaban en fait. Il devrait être permaban ce genre de joueur. Peut-être Emmerdinger. C'était une bonne partie en vrai, pourtant elle aurait été excellente comme partie. Elle aurait vraiment été excellente cette partie. Malheureusement, voilà, le petit Rengar un peu toxique. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Négative attitude. Donc les gens, aujourd'hui on va tester Neko, on va y aller en normal game. Donc vous avez vu pourquoi ça confirme encore une fois pourquoi j'ai arrêté de tryhard dans League of Legends. Parce que si je me tape des trucs comme ça mentalement, moi je suis pas assez fort. Je suis pas assez fort pour enchaîner des 10 games par jour comme ça avec des gens comme ça. Parce que t'imagines, tu fais 10 games comme ça, tu te tapes 10 fois le même Rengar alors que t'aurais pu gagner la game s'il n'était pas toxique. No thanks. Du coup, j'espère que ça vous dérangera pas trop d'avoir du Super Smash Bros Ultimate sur la chaîne YouTube. Peut-être que parce qu'en fait je vais faire le truc d'aventure, je suis pas très fort. Mais ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bien et j'aurai au moins enfin un jeu autre que League of Legends et je pense que ça peut être une super bonne idée. Bref, on est en stream pour tester Neko, excusez-moi. J'espère quand même que vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends et les jeux d'équipe, ça arrive des gens toxiques comme ça. Wait les gars, wait, j'ai attendu 15 secondes, j'ai fermé l'enregistrement et regardez ce que je viens d'avoir. Alors en vrai, ça fonctionne du coup. Merci Riot Game, vous êtes les best. Du coup, les gens, va falloir nettoyer le serveur. Hein. Va falloir nettoyer le serveur. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est marrant, mais c'est vrai, hein, no joke. Hein. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'on a eu beaucoup plus de instant feedback report ces derniers temps? Genre, j'ai l'impression que moi, quand je reporte quelqu'un, mais il se fait instant ban, genre, ou chat restrict. Mais j'en ai eu beaucoup plus qu'avant. Je sais pas s'ils ont fait quelque chose pour ça. Bon après je reporte pas n'importe qui hein, tu vois là le Rengar je le reporte et putain ça marche. Avant ça marchait beaucoup moins, maintenant ça marche trop bien, genre je sais pas si vous trouvez ou pas que ça fait pareil. En tout cas merci, bon j'ai perdu, c'est con, c'est la pré-saison, je m'en bats les couilles, tant mieux. Bref, ça me fait plaisir, merci Redgum, merci beaucoup, à plus, à bientôt, ciao.